Ah, monsieur, bonjour, bonsoir pour tous les amis, tous les fanatiques qui branchent chaîne radio Parler Haïti, la voix du peuple. Eh bien, salutations à nous spéciales, que papa, bon Dieu, bénis nous toutes. Nous saluons fanatiques qui sont internationales là. Fanatiques qui en Haïti qui branchent radio, bon Dieu, bénis nous toutes. Dossier corruption, madame, monsieur, et vous citez non, docteur Claude Joseph, comme moun qui était dans corruption, madame, monsieur, qui prend plus combien de millions de dollars américains, eh bien, pour question passeport, elle était ministre affaires étrangères, eh bien, toute accusation ça y est, Edmond Bouchit lui-même, et qui dit qu'il y a un pile bagaille qui a passé, c'est sous Dr Claude Joseph qui était passé, mais c'est voulait défendre tête. Eh bien, Dr Claude Joseph lui-même, qui décidait de parler, qui a parlé avec un journaliste, eh bien, pour éclaircir le dossier, pour expliquer ce qui a passé. Est-ce que réellement Dr Claude Joseph impliqué dans le dossier corruption et Jean Yaptia, madame, monsieur? Edmond Bouchit, eh bien, monsieur lui-même qui a révoqué comme ambassadeur, il n'est pas ambassadeur encore, monsieur, il a révoqué monsieur dans la question corruption, eh bien, monsieur, t'as voulu sale Dr Claude Joseph comme monde qui te connaît faire corruption avec les madame, monsieur, les docteurs, te tape travail dans la boîte là. De toute façon, moi, je fais entendre qui ça, Dr Claude Joseph dit, sous toute accusation, ça, qui ça, lui répond, madame, monsieur, sous ça, Edmond Bouchit. Nous capable d'entendre tout ça. Edmond Bouchit dit lui-même, ça vient tourner en dégain. Dans le moment où on a parlé là, il y a une guerre entre ancien PM Dr Claude Joseph avec Edmond Bouchit, madame, monsieur. En attendant, n'a tourné. Ministère des Affaires étrangères. La responsable de la direction des affaires consulaires, directeur ministère des Affaires étrangères là, directeur général là, responsable section consulaire là, avec un autre membre qui était dans le cabinet pour aller faire pour enquêter sous un dossier de corruption qui impliquait Gélor juste que nous avons temps. Une fois que nous songeons de révoquer monsieur demain, révoquer monsieur effectivement demain, et nous voyons une commission d'enquête qui est responsable de ça là-dedans. Eh bien, le dossier de Gélor lui ouvre une boîte de Pandore à l'ambassade et d'Haïti à Washington. Côté nous découvrir dans le ministère un réseau mafieux qui a vendu passeport, qui a fait passeport, qui a bail passeport à des sommes exorbitantes. Et enquête ça, en août 2021, m'potel dans le premier ministre Ariel Henry. À ce moment, monsieur l'ambassadeur Bouchit était tout puissant. Moi qui t'ai enquête là pour l'histoire, non mais Ariel, ma jambe de gon copie là-dedans. Moi apprendre récemment que parallèlement FBI mène une enquête, yo j'en ai exactement ça nous déjoigne dans l'enquête panoua. C'est malheureux que ambassadeur Bouchit a établi un rapport de cause à effet entre moi-même et l'homme pour t'a montrer comme quoi c'est rapport ça qui t'a voulu l'aller. Mais c'est pas vrai. Parce que ce n'est pas là, moi, pas dans le gouvernement et ma bataille contre Ariel Henry et équipe, donc, probablement Bouchit qui est là-dedans. Et puis, c'est là ça pour prendre en considération que nous devons un rapport sur Bouchit. Maintenant, si l'ambassadeur est mêlé dans la corruption à grande échelle, si l'ambassadeur a traité avec les ennemis des États-Unis, si l'ambassadeur a gagné des bagages pour lui qui ont reproché, qu'elle assume ça comme un monde qui passe 32 ans dans la diplomatie. Parce que ce n'est pas possible pour chercher un bouc émissaire pour comme quoi que c'est à moi-même qui fait révoquer. Je n'ai pas le pouvoir. Je suis face à un gouvernement. Je suis principale opposition à un gouvernement. Alors que mon pouvoir, c'est moi qui fais révoquer. Donc, moi, je pense que le petit est ambassadeur Bouchit. Moi, je pense que ça a petit. Moi, je pense qu'il faut assumer à tout comme ambassadeur qui, l'enquête, d'après ça, enquête, comme l'a dit, parce que vous dites, c'est moun sa ou vin nan aide, l'ou vin nan aide, n'a pas reconnaître effectivement que l'ambassadeur Sambo Soleil, qui lui-même est directeur général du ministère des Affaires étrangères, que probablement tout suite après rapport ça, il y a révoqué, que Sterling Civil, qui était ministre conseiller à la mission permanente d'Haïti à l'ONU, il a révoqué le rapport ça. Moi-même, nous avons eu une pire difficulté parce que nous avons produit le rapport ça de corruption à Washington, qui implique la sœur de l'ambassadeur et l'ambassadeur. Et c'est le rapport le plus objectif que moi lis depuis que mon ministère des Affaires étrangères. Maintenant,
moi t'as souhaité avec conscience ambassadeur pour retirer nom dans ça comme quoi c'est moi qui t'a fait révoquer. Moi pas fait révoquer ambassadeur. Après moi même avoir nous vienne des rapports. Moi même avoir nous vienne des rapports. Donc on pas qu'à faire révoquer ou parce que on pas gain rapport avec Ariel Henry, je ne connais pas le ministre des Affaires étrangères. Des affaires étrangères actuelles. Donc, on va faire évoquer. Donc, ça veut dire que, on va besoin essayer, n'est-ce pas, mélanger dans un bagage comme ça. C'est mon rapport produit ce rapport, il était produit pour l'histoire. Comme c'est vérité que nous t'es pas dans le rapport, eh bien, enquête parallèle qui fait, je vois que, effectivement, monsieur l'ambassadeur, vous êtes impliqué dans un scandale de corruption à l'ambassade. Ou bien présumé, parce que la justice peut prononcer sur ça. C'est ça qu'il y a révoqué, mais par contre, pour qui ça y a révoqué moi-même. D'accord? C'est ça. Et ça, moi, toutes mes diablis, moi, dit, moi, prends ça, mes diablis, a dit. Docteur Claude. Oui. Ambassadeur, est-ce qu'on a une précision, puisque ambassadeur dit, et son fait que lié, son réalité, c'est vous-même qui t'es nommé, et j'ai l'homme, dans la direction consulaire dans Washington. Oui. Et bien, qui lui-même t'est impliqué dans le scandale $50,000. Qui vérité qui vient dans ça? Non, bien sûr. C'est moi qui ai nommé Gélom, qui c'est effectivement un membre de l'OPL, mais un jeune cadre, que me nommé. Une fois que impliqué dans la corruption à l'ambassade d'Haïti aux États-Unis, moi révoqué et me font enquête. Enquête, ça a 50 pages là-dedans environ. Qui? Méticuleusement détaillé implication chez l'homme, mais qui ouvre une boîte de Pandore qui montre nous que niveau corruption qu'a fait l'ambassade d'Haïti aux États-Unis. Alors, surtout, nous avons l'aide de ILCC. Automatiquement, moi-même, bagarre la fête, moi, informé ILCC. Moi, informé ILCC. ILCC exprime formellement pour dire, voyez la pour Abayo. Moi, voyez la pour Abayo. Automatiquement, ILCC lit la pour Abayo, temps de scandale, lit le crime pour demander de mettre mon savoir à disposition. Yo. Moi, écrit mon salon, je dis, il faut mettre à disposition ILCC. Ambassadeur a dit que lui-même, c'est ambassadeur, il va parler devant ILCC. La chère d'Edmond Bokchit et de Bettina Bokchit dit lui-même, il est petit aux États-Unis, il ne va pas venir devant ILCC. Et les autres personnes, ça qui pourrit, etc. Mais le dossier au complet est là. Et c'est que moi, j'ai un dossier à disposition. Et moi, pas quoi que ce dossier, ça qui voulait. Et c'est vrai qu'on scandale de corruption, même pas parce que c'est ça que vous voyez, monsieur l'ambassadeur là, allez. Mm. Parce que tout simplement, ambassadeur a sous pouvoir, c'est parce que Ariel gêné en pile qui vous fait pour vous voir aller. Donc c'est pas Claude qui a fait vous voir aller. Au contraire, ambassadeur a présenté Ariel pour dire c'est menti, on fait sur lui, tout le monde qui l'a eu, c'est le monde qui est parti Claude là. Mais c'est une belle excuse pour attaquer vous. C'est parce que vous impliquez dans des bagages qui pas bon du tout. Et bien de l'autre bagaille qui part, moi-même, on ne pas prêcher à se parler là, moi connais l'histoire Abdiyo. D'accord? Mais tant pis, pas nommer nom dans cause ça, parce que moi-même, comme ministre, j'ai fait appel, j'ai révoqué ce gel homme juste automatiquement, et j'ai fermé nos enquêtes. Enquête là-là. Journaliste gagné, je dis, je ne sais pas comment on fait gagné, mais on gagné. Docteur Claude Joseph. Allô? Oui. Vous entendez-moi? Oui, très bien. Et ambassadeur a reproché où, et il dit ça que plus fait le mal, et ça ne plus pas comprendre, que le rapport d'enquête ça, que la commission ou te nommé a te mené, nous acheminé li dans l'ambassade américaine. Et il dit, par contre, pour qui ça? Pour qui ça, ça t'est fait, si effectivement, il s'alde? Non, du tout. Moi-même, moi pas fait ça. Moi pas acheminé aucun rapport d'enquête dans l'ambassade. C'est pas place moi pour me faire ça. Moi pas capable jamais faire ça tout. Pour moi acheminer dossier, laisser me retourner comme ministre des étrangères, moi voyer les pas acheminer moi porter le même by Ariel Henry. Moi porter. Et comme moment ça, c'était moment moi j'étais mal vu dans le gouvernement parce que me des opposant au sein même du gouvernement. Et ben yo prend dossier ou casser faire pour ça. Yo pas faire aucun suivi à dossier. Je me connais vérité à au grand titan ou qu'à chercher barrel ou pas qu'à barrel pour tout temps. D'accord? Donc, même moi-même, personnellement, moi, pas fait ça. Mais comme tout, n'enquête ça. Les commissions vont le faire. Bon, je suis tellement senti que bien pouvoir,
Abdou ça bien. Il est tellement senti que le bien pouvoir, il boude commission et quitte Washington à New York. Donc, il n'y a pas questionné. Il a questionné tout l'autre monde, ou bien plus fort monde, parce que vous voyez cette situation. Plus fort monde en ambassade là, mais beaucoup parlent le boude. Maintenant, bon l'autre rapport, peut-être que beaucoup doivent parler de lui. Son rapport ministère intérieur, mais particulièrement immigration. Qui joue nous l'autre scandale de corruption de passeport encore? Passeport qu'a fait, il a utilisé l'identité de l'autre monde, etc. Rapport ça, il est là, moi bien à la disposition. Les nouveaux, il y a une autre commission d'enquête, beaucoup de parties ont entré dans l'ambassade là. Vous imaginez, une commission d'enquête allée dans l'ambassade d'Haïti à Washington, l'idée qu'il y a une tête, le directeur général du ministère, Bokchit boude yo encore le froid parce que il dit rapport ça. Est-ce que ça va exprimer que ou pas vraiment un grand ministre affaires étrangères puisque ambassadeur boude commission ministère là et je dis là c'est dénoncé ou dénoncé. Qui ça a été fait le ambassadeur a été boude commission le pas quitté le rentrer comme ministre des affaires étrangères? Non, attendez, tout le monde dit qu'on Bokchit, comme ça je dis là. Le combat qui existe, c'est entre Bokchit et l'actuel ministre des Affaires étrangères. Mmh. Bokchit a éclipsé le ministre des Affaires étrangères, et le ministre des Affaires étrangères, j'ai une bonne occasion, mais vraiment, c'est pas l'éclair, vous le voyez Bokchit aller. Tout le monde qui connaît Bokchit pendant 32 ans au sein de la diplomatie haïtienne, c'est ce comportement qu'il a. Même voyez à vous aller, il n'a pas envie d'aller pour contre lui. Faut qu'il joue un bagage pour le dire, pour montrer que, eh ben, il est un saint. Mais c'est un secret de polichinelle. Tout le monde qui connaît Bokchit dans la diplomatie a connu ce comportement, la caille Bokchit. Donc, il faut qu'il assume comme grand monde. N'est-ce pas? Il faut qu'il assume comme grand monde. Moi-même, personnellement, et m'a dit ça clair. Moi, t'es produit la courroie parce que faut nous te faire. Moi, t'es remettre avec supérieur hiérarchique. Moi, qui était Ariel Henry à ce moment. Ensuite, ULC, c'était mon copie là-dedans. Parce que moi-même, je voulais contribuer pour faire ça, pour mettre un fin. Et femme d'où, c'est pas. Et pour crédit Bokchit. Réseau mafieux, ça, qui existe à Washington, non, il précédait Bokchit. Maintenant, pour n'y a, Bokchit, probablement, moi, je dis probablement, t'as une alimentaire. Mais il précédait. Il précédait Bokchit, même là, Bokchit est ministre des Affaires étrangères. Maintenant, pour n'y a, l'homme d'une ambassadeur, c'est où pour mettre un fin avec lui. Si vous même vous avez une antenne dans Maryland pour bien Salisbury, et puis FBI a suivi pendant un an, pas jamais comme ça, l'homme prend un problème, si gars, ou joint au monde, ou pour un prétexte. Docteur Claude, gagné, ambassadeur débat en précision, gagné, on dit là tout, gagné en commission qui te vine l'autre bord, dans le rapport que ou te voué faire, il n'y a pas une trace ça qui dit question antenne consulat qui te ouvert Maryland. Eh ben, mon cher, bon, du magaï. Ouais, il y a un bagay que rapport, ouais, faut que vous chiez le rapport, il y a un bagay qui dit, et on est capable de dire qu'il puisse expliquer explicitement dans le rapport, qui sont vérités, c'est antenne consulaire ça, lien de rapport. Lien de rapport, hein. Donc, alors que de l'autre entité parallèle par une enquête, il y a même enquête plus approfondie, au parallèle. Ou antenne consulaire que Haïti pas connaît, donc ministère pas connaît. Ou antenne consulaire que pays ou accrédité là dans la pas connaît, c'est un bagage qui est illégal lié. Elles sont vraies. Donc, c'est corruption pure et simple. Maintenant, vous n'y a c'est qui, et ça me da capable de briller, implication et ancien ambassadeur, Bokchit, ou bien Bokchit tout court, et une question ça, je ne connais pas. Est-ce que lui-même, il joue, est-ce que lui innocent, etc. Mais, comme dit, il y a un paquet d'autres dossiers qui ajoutent à ça, qui fait bagage ça, ils sont un gros problème pour et ancien ambassadeur, Edmond Bokchit. Avec tout respect que je vous dis, je dis la prochaine fois la paix intervention, évitez de chercher un bouc émissaire. Je ne sais pas qu'on a une révocation, parce que l'un des ministres a fait que je ne pas faire révoquer. Parce que vous êtes impliqué dans la question de secteur côté faute ou qui est dans la rue, je convoque dans le ministère ou pas venir. Et Ariel dit ou pas venir, je ne sais pas. Attention, hein. Donc ça veut dire que l'homme des ministres ne peut pas faire évoquer, ce n'est pas l'homme pas ministre pour me faire évoquer. Hein? D'accord? Et il y a beaucoup plus de choses comme c'est des hommes détanouillés, on a évité de parler de eux, mais on ne peut pas faire évoquer l'homme des ministres. Parce que tout simplement, où tu es passé de eux, où tu es dit Ariel, c'est où fait là? C'est pas moi, mais c'est, si ce n'est pas tout même, c'est moi-même qui t'a premier ministre. Donc Ariel, prenez soin de eux.
pour manipuler Ariel, qui fait que Ariel va jamais être suivi sur le dossier corruption. Yo. Donc, on y a, mon cher, ne cherche pas en bouc émissaire en la personne du docteur Claude Joseph. OK. Pourquoi c'est moi qui est responsable de cette révocation et malencontreuse. C'est pas moi. OK. Et docteur Joseph, ma contre, tu vas prêter sur l'inan, puisque l'ambassadeur là, n'a pas permis qu'il réagisse. Ambassadeur Edmond de Chikoula. Comment nous on fait même comment nous seulement à ministre Joseph parler baronnet non pas parler non parce que nous j'ai fait silence parce que j'avais fait un collègue prenant qui est échappé mais pour la reine de l'étude et à aucun moment le premier ministre Ariel Henry n'a jamais reçu le rapport de la commission. Je m'a jamais brûlé le premier ministre, il dit l'hypothèse est menti, il m'a jamais balayé. La deuxième chose, notre ambassade américaine, vous voyez, le gouvernement américain, il fait référence comme suivant. Après avoir l'ambassade des États-Unis d'Amérique, après avoir reçu une correspondance datée de août 2021 du ministère des Affaires étrangères, mes amis, il écrit clairement. C'est le ministre Claude Joseph qui a envoyé le rapport à l'ambassade. Il est clairement dit dans la note de l'ambassade. On a le bagage de corruption, même pas quoi d'aller. Parce que si on a une enquête sérieuse qui a fait au niveau du ministère des Affaires étrangères, je pense qu'il faut nous faire et moi, monsieur, éviter de parler de Gélon de Cousin. C'est ton cousin, Claude. On va gagner le jour. Et si on a une enquête sérieuse qui a fait sur le ministère des Affaires étrangères, je suppose qu'il y a tout problème ministère, plus gros cas de corruption, c'est pas longtemps là. Tout le monde connaît que vous avez augmenté le budget, toute ambassade pour le gain, ambassade pour le yo, vous avez doublé le budget. Tout le monde connaît ça. OK? La deuxième chose, tout le monde connaît tout le côté où vous ambassadeur, vous mettez des administrateurs qui parlent. C'est parce que vous avez un plan. Et moi-même, à Washington, le fait que moi n'ai pas de contrôle sur le monde, parce que vous avez toujours dit, d'abord, ce sont des fonctionnaires, vous avez arrêté mon temps de Haïti, vous avez une autorisation, vous avez demandé, vous avez demandé de poser. Parce que vous avez des autopuissants. Vous faites tout le bagage là, parce que vous connaissez une protection de leur ministre. Vous n'y a là, si monsieur gagne une action posée, c'est normal, ou dit que vous dérévoquez immédiatement, c'est pas le cas. Moi, qui est l'homme de tout ça, vous dites, bon, quittons régler ça. Moi, après, moi, je m'avais informé pour le ministre. Mais pour le premier ministre là, ou bien t'as un jeune premier ministre là, oui. Après, le premier ministre dit, mais voilà ça, il dit pas l'ambassade, il pensait que son cas grave, il est obligé de faire. Et ou même, que le monde fait l'état en fait. Mais on n'a pas de bien intention pour te faire au départ. Ça, faut dire la vérité. OK? En plus, vous parlez de, enquête ministère de l'intérieur, qui, ça, c'est une enquête ministère de l'intérieur qui ne concernait pas l'ambassade, il était concerné unité passeport là seulement, des fonctionnaires du ministère de l'intérieur. Si il y a un bagage comme ça qu'a fait, nous dit que il a fait, c'est pas fait pour passer, etc. Avec un monde dans l'intérieur, l'appel, il n'a pas fait pour quoi. C'est-à-dire, faut nous identifier le monde, nous dit que c'est un fonctionnaire. L'unité de passeport, moi je voulais dire ça pour la compréhension du public. L'unité de passeport qui est dans l'ambassade là, moi je n'ai pas gain contrôle sur lui. Donc, chef de service, il représente le ministère de l'Intérieur, nous-mêmes, ça nous gagne un rapport, nous gagne avec son rapport administratif. Nous payons au salaire, nous payons l'assurance, nous gérons qui sont projets. Mais l'opérationnalisation de l'unité de passeport, pas défendre l'ambassade. Même moi, même comme chef de mission, pour monter à l'air, je ne vais pas écrire. Pour me relever, pour me frapper, pour me frapper. C'est-à-dire, c'est une unité totalement indépendante. Mon yo, c'est eux qui gèrent les têtes, c'est eux qui prennent des décisions. Donc ça veut dire, si un passeport est fait, ou même, okay. Ou pas aucune restauration dans ça. Non, il n'y a aucune entrée dans la question d'opérationnalisation de passeport. Parce que l'unité à son unité indépendante qui est un chef de service. Et malheureusement, il va en parler de lui. Mais avant lui, il y a des passeports de l'ambassade d'Haïti. Pourtant, à Washington, pourtant, l'unité des passeports dit autonome. Moi, pas rien rentrer là-dedans. Si je rentre là-dedans, c'est chef de la capouille, moi, je rentre pour me rencontrer. Si je rencontre avec eux, c'est l'ambureau, mes vidéos. Si il y a des problèmes pour nous ensemble, qui problème qu'on va résoudre pour l'être de l'ambassade tel consulat. OK? Donc, pas rien aucun contrôle sur question ça. Question de formule, ouais, même après la commission, ça, il est venu en août 2021. Depuis lors, moi j'ai décidé pour nous mettre, pour qu'ils soient formulaires, pour nous mettre deux cadenas là-dedans, deux clés, pour que tout le monde ne rentre sans l'autre. Ni passeport, ni livret passeport.
Parce que si tu as l'unité passeport là, je me dis, mais ça n'a fait. Il y a deux clés comme commission de recommander, mais commission intérieure là. N'a fait le comme ça. Et aucun consulat, aucune mission, les envoie un formulaire, moi je dis dorénavant, pas un formulaire, pas une mission comme ça. Pour une mission, on fait une note, pour le faire une requête, après pour faire une note, pour transmettre, Bali, pour nous connaître de tel numéro à tel numéro, à signer à telle mission. Comme je l'ai fait. Washington, moi, je suis unité passeport, il y a même. D'ailleurs, c'est dans le local ambassade là que lié. Qui rapport nous développer avec eux sur le plan administratif? Pardon? Qui rapport ambassade a développé avec unité passeport sur le plan administratif? Non, c'est le avant de la question administrative, c'est nos pays, c'est l'ambassade qui paye au salaire, c'est l'ambassade qui paye l'assurance, c'est l'ambassade qui fait foncier, gère foncier, c'est tout. Mais la gestion de l'unité, l'ambassade n'est pas là-dedans. Mais les pour faire passeport, est-ce qu'il n'y a pas d'autorisation pour bail ou bien pour pas bail? Pas de rapport à l'autre? Non. Mais comment le fait? Les missions envoyées formulaire de passeport, il y a un monde qui ouvre, qui ouvre, est-ce que mission payée? Bon, là, comment faire le bac là pour? Pourquoi on est, pendant le ministre Claude Tella, qui est allé en novembre ou décembre 2021, et l'administrateur a été appelé en février 2022. Pourquoi on est faute passeport là, monsieur? Historiquement, et ça fait demander un audit, historiquement, faute passeport là, pas jamais, c'est qu'on gagne plus que 3 millions de dollars. Vous comprenez ça? Parce que, en pile, monde, le consulat, que monsieur Demetrio va même payer le passeport. Ma bon, cet exemple, le cas du consul général à Chicago. Monsieur est allé avec une dette de plus de 200 000 dollars. Parce que c'est des formulaires de demande, il reçoit, voilà, par exemple, vous voyez, yo. Pendant que ce passeport, monsieur, fait, dans le même monde, passeport aussi. Comment le faire? Mais c'est là qu'on me devait voir le ministère, là. Tout le monde est installé. Et une autre chose plus grave, monsieur, fait avant d'aller. Pourquoi les monsieur convertis consulat général d'Haïti, en consulat général d'Haïti, Chicago, LLC, c'est pour un compagnie privée? Que lui-même, c'est le manager général, que lui est enregistré à la mairie de Chicago. C'est-à-dire, toute transaction faite sous compte consulat, il y a sous compte personnel, monsieur. Vous comprenez ça? Alors, c'est tout le monde qui a été en train de faire, j'ai l'impression que le ministère, par exemple, qui a suivi avec eux. Mais je vous dis là, on veut me faire passer comme le diable, le monde qui peut plus corrompu. Pendant ce temps, la corruption a été la règle. Pendant que monsieur était là, toute consulat était libre de faire ça, vous voulez. Parce qu'il était protégé, yo. Ok? Et vous dites, vous parlez de mettre dans tout consulat, ça, yo? Oui, alors, on va arriver, contre consulat, en février ou bien mars 2022, les villes reprennent contrôle tout bon, parce que là, ça va pas là encore, à mars 2023, un an plus tard, contre notre à peu près de 3 millions de dollars seulement. Je dis à les multiplier par 5. Parce que, il y a une mesure, moi, insisté par une mission qui a voué les documents, c'est un papier, pour une preuve de paiement. C'est parce que je mettais près de la disposition. Un an plus tard, mon temps qui était gagné, je multiplié par 5. Parce que c'était des consulats, pas de diable, les pays, sur tout le monde qui était gagné support, et ils étaient prenés des protections des preuves. OK? Et bon, en tout cas, ministre, qui doit mettre consulio tout. Consulio qui doit qu'un bécob, là, il veut faire passeport, yo. Et ça, il n'y a pas de pouvoir avec le ministre tout. Non, parce que, attendez, si le consulat a changé de gain, avant, je n'ai pas parlé que des actifs de puissance ou Ariel, mais parce que le consulat a connu que le gain pouvait être Claude qui a protégé. Mais j'aime demander ça, demander au côté, pour que ça ne va pas payer. Il y a un guetta, il va gentil. J'ai toujours compris que le ministère a voulu provoquer, mais il y a un guetta. Mais comme ça, va jamais rembourser. Et je me toujours demandé au rembourser. Et qu'on y a l'air d'une bague de protection, ça, encore. Mais si c'est me dit, on a vraiment un capteur, vous voyez là, ça, et formulaire là, ça paye. Effectivement, bloqué. Et où il ouais, graduellement, de février 2022 à mars 2023, où est-ce qu'on a passé de multiplier par 7? Parce que, m'insister, mettez mesures pour sa tête. Je dis à la, je n'ai pas vu là. Avant de parler, on va essayer d'aller sur le consulat. Soit le consulat mobile, nous dit, monsieur dit qu'il était faux. Mais ça arrive. Son pratique qui existait aux États-Unis depuis des années et probablement même en République dominicaine. Et pratique là, son pratique est question d'agent. Et même Claude Zara Paléala, mandé ministre
Joseph Silpat Bayozamil, qui vient voir agence qui est le Roi Vision dans Boston, Brockton, Massachusetts, dit bal exclusivité dans le consulat Boston, seulement il dit pour qui recevoir un formulaire au consulat. Alors, comme il s'est dit, nous devons retenir pour nous. Alors, nous avons des ambassadeurs à l'unité. Tout le monde va s'arrêter pour pas oublier. Et est-ce que c'est une possibilité de permettre que tous les deux capables de réagir ça? Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez continuer? Alors, on va avancer avant de répondre. Oui, je vais vous dire un dernier bagage avant de répondre. Oui. Et par exemple, pour les questions de barrière, monsieur a parlé de DOS. Consulat ou bien consulat fondamental, etc. Voilà la pratique. Ce pratique qui existait depuis des années, depuis l'été, il y a une question pour rapprocher, pour consulat ou rapprocher les communautés haïtiennes. OK? Mais moi-même, je n'étais toujours pas d'accord à agence ou bien antenne. Moi, j'ai toujours opté et préféré pour le concept consulat mobile. Consulat mobile, là, monsieur, c'est tous les fonctionnaires du consulat qui déplacés, qui a recevoir demande passeport mounio, qui fait quatre poney pour eux, qui fait bah, okay, son mandat consulaire, etc. Maintenant, les cas ont pratiqué qui existent depuis des années, depuis 2011, pratiquement existent, cas pas qu'à changer, parce que, bien entendu, si on campe le net, dorénavant tout le monde présente le consulat, même si loin, si on joue le mot